La news chaude du moment, c'est le teaser qui annonce officiellement Black Ops 3. On ne pouvait évidemment pas passer à côté. Prochaine annonce, ce sera le 26 avril pour une vraie bande-annonce. Ce mois-ci, une nouvelle mise à jour pour votre Xbox One vous attend. Au programme, des améliorations pour le chat en ligne, l'accès au hub des jeux facilité et la possibilité de voir en détail les succès que vous avez gagnés en restant appuyé sur le bouton Xbox. Pour tout savoir sur cette mise à jour, n'hésitez pas à regarder notre tuto qui vous explique tous les changements dans les moindres détails. Lorsque vous entendez cette musique, vos yeux pétillent. Vous avez toujours voulu révéler le Jedi qui sommeille en vous ? Eh bien ça tombe bien car la saga débarque sur Xbox en dématérialisé et en HD. Vous profiterez ainsi de bonus supplémentaires comme un R2-D2 en compagnon d'Avatar ou encore de Flipper Star Wars pour Pinball FX2, mais aussi de bonus vidéo inclus dans les versions remasterisées. Une très bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir cette saga phare et de se laisser guider par la Force. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore succombé à Call of Duty Advanced Warfare, sachez qu'une édition Gold est maintenant disponible en exclusivité sur Xbox One. Cette édition du jeu sera livrée avec le DLC Havoc, ses 4 nouvelles cartes et son mode exo-zombie. Une bonne affaire si vous souhaitez enfiler pour la première fois votre exosquelette et fraguer à tout va sur le Xbox Live. Pour les joueurs fans de vitesse pure et de course futuriste en mode aéropropulsé, un petit nouveau va faire son entrée sur Xbox One, Red Out. Un jeu indé ambitieux dans la veine des F-Zero qui devrait faire du bruit à sa sortie. Le départ de la course est d'ailleurs prévu pour cet été, alors gardez un œil sur sa route d'ici là et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Autre jeu qui pour le moment n'a pas de date de sortie, la suite de Deus Ex Human Revolution a été annoncée. Le jeu se passera 2 ans après le dernier opus et vous reprendrez le rôle d'Adam Jensen dans votre lutte au sein d'Interpol contre des terroristes technologiquement améliorés. Une bonne nouvelle surtout que le jeu promet d'être plus ouvert et comme son petit frère, vous aurez toujours le choix entre la méthode bourrine et l'infiltration. Allez, sans transition, on passe maintenant aux sorties et aux bons plans de la semaine avec Ride du studio Millstone pour les fans de simulation de moto. Tower of Guns, un roguelike mélangé à du FPS dans la catégorie des jeux indés. Et pour terminer, le bon plan de la semaine, c'est une remise de 30% sur Forza Horizon 2 Ultimate Edition à ne pas manquer sur le store Xbox si vous êtes membre Gold. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Vous avez manqué des infos, des sorties, mais pas de soucis, tous les contenus précédents sont toujours disponibles, il suffit de cliquer. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et pour nous faire part de vos remarques également. À bientôt, bon jeu à tous.